Ok, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui vous allez me voir galérer puisque je vais vous montrer en toute transparence l'apprentissage complet d'un morceau de piano de A à Z. Comment je m'y prends pour apprendre un morceau de jazz au piano, du déchiffrage du thème, de la mélodie, des accords, de la rythmique, de la structure du morceau, etc., etc. J'ai cru comprendre que ça vous intéressait de voir ce que je pratiquais personnellement, comment je m'y prends, et donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Tout ce que l'on va voir dans cette vidéo, c'est ma manière d'apprendre, que j'ai peaufiné avec le temps. Tout le monde ne déchiffre pas de la même manière, et c'est propre également au style de musique que l'on va décrypter, qui est du jazz. Le but ici, c'est de vous montrer comment je pratique, comment je me trompe aussi, parce que je vais probablement beaucoup me tromper. Ah. Du coup, j'ai demandé à mon pote Thomas, qui anime la chaîne Guitare en ligne, de me donner un morceau à apprendre, et oui, la conversation, c'est assez sadique. J'ai réfléchi au morceau à t'imposer, et en voyant ta dernière vidéo où tu joues 12 heures de piano en hommage à Charlie Parker, je me dis que t'as pas encore assez souffert, et je vais te donner un nouveau morceau de Charlie Parker, Donnelly. Bon courage. Merci, Thomas. Donc Donnelly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce fameux morceau. Allez, c'est parti, on va commencer avec la première étape qui est de repérer la structure du morceau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à la fois repérer les mouvements de la basse et l'harmonie qui est jouée par les autres instruments à ce moment-là. Donc soit vous êtes assez avancé en piano jazz et vous faites ça d'oreille, ce qui est le but ultime du jazzman, soit vous utilisez la grille d'accords et vous suivez les changements d'accords. Dans ma pratique, j'essaye de faire un maximum d'oreilles, mais si j'ai du mal, je ferai avec la grille d'accords. Je vais commencer par écouter les basses du morceau, parce que c'est le bassiste à chaque fois qui va jouer ce qu'on appelle la fondamentale. Et c'est la fondamentale qui va nous donner des indices sur quels accords sont utilisés et quelle est la structure du morceau. Donc c'est parti pour relever la basse du morceau. A few moments later. Bon, j'ai l'impression d'avoir repéré pas mal de basses du morceau, il m'en manque quelques-unes, je pense. Et maintenant, c'est là que tout se mélange un peu, parce qu'en jazz, vous pouvez attaquer un morceau de plein d'endroits différents. Il y a la basse, l'harmonie et la mélodie. Et tout se mélange un peu, il n'y a pas forcément un qu'on apprend plus avant les autres. Ces trois éléments sont reliés, car la basse donne la note depuis laquelle l'accord sera construit. Si le bassiste joue un si bémol, par exemple, on sait qu'on sera sur un accord en base de si bémol. Si maintenant les autres instrumentistes qui jouent, eux, l'harmonie, jouent la tierce mineure et la septième mineure par-dessus ce si bémol, bien c'est que l'accord à ce moment-là sera un si bémol mineur 7. Et si en plus on entend que la mélodie passe par-dessus les mêmes notes que l'harmonie, là, il n'y a pas de doute, on sera sur un accord de si bémol mineur 7. Ok, j'avoue, si vous n'avez jamais fait de jazz ou de théorie musicale, c'est du chinois, clairement. En vrai, ça, c'est le but ultime vers lequel on essaie de tendre en jazz. Globalement, tout ce que je vous dis, ce sont simplement des blocs de construction qui s'imbriquent les uns avec les autres. La basse, l'harmonie et la mélodie. Le but, c'est d'arriver à comprendre le morceau d'oreille, mais c'est vraiment difficile, ça prend du temps. Et pour être tout à fait honnête, je suis encore loin d'y arriver à 100%. Donc vous pouvez bien sûr vous aider de la grille d'accords. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que je le fais aussi. Par contre, quelque chose qui se fait très bien d'oreille, c'est de relever la mélodie. Ça, c'est le plus simple, et maintenant qu'on a trouvé les basses, eh bien la mélodie risque de nous donner des indices sur la nature des accords qui sont utilisés dans ce morceau. Donc on passe à la partie 2, la mélodie. Allez, on va décrypter tout ça. Je vais mettre plus doucement quand même. Bon là ça va être le challenge technique de la vidéo parce que c'est un morceau qui est pensé pour les saxophonistes. Normal hein, Charlie Parker c'est un saxo. C'est un saxophoniste, c'est pas un saxo. Et donc il y a des passages avec des doigtés vraiment bizarres qui collent pas trop au piano. Ah bah là typiquement, je sais pas comment jouer ça. Soit je joue comme ça. Soit comme ça. Ce qui me demande un petit saut. Je sais pas, j'hésite entre les deux. Depuis le début, j'ai ça là. Je vous montre pas tout parce que c'est assez fastidieux, mais si vous voulez voir comment je m'y prends sur cette étape entièrement, vous pouvez aller voir la vidéo dans laquelle je décrypte un solo d'oreille que je vous mettrai en suggestion. C'est exactement le même principe. 1 hour later. Ok, je commence à comprendre la structure du morceau parce que la mélodie donne des indices sur la nature des accords. Donc je pense que j'ai trouvé pas mal des accords qui sont dans le morceau.
finir la mélodie et puis on va vérifier les accords si j'ai juste. Mais je pense que je suis pas mal. 7 hours later. Ok, je viens de finir de décrypter toute la mélodie, j'ai passé l'après-midi dessus. Là j'ai toutes les notes, j'ai toute la mélodie, mais techniquement c'est encore vraiment dur. J'ai pas encore tout dans les doigts. Pour le moment, j'arrive à le jouer avec la mélodie à peu près 70% de la vitesse du morceau d'origine. Ce qui donne ça à peu près. Là, je sens que je suis plus très productif, donc on va arrêter pour aujourd'hui et reprendre demain. Vous l'avez sans doute remarqué vous aussi, quand vous bloquez sur un passage d'un morceau, eh bien vous y arrivez mieux le lendemain, parce que votre cerveau va continuer à travailler en tâche de fond la nuit, il va consolider ce que vous avez appris, donc sur ce, je vais aller me reposer, et on se retrouve demain pour la suite. Ok, je viens de rejouer la mélodie, et ce matin c'est beaucoup plus fluide, ça fait plaisir. Un petit conseil d'ailleurs, si vous relevez une mélodie d'oreille, faites attention aux intonations, ce qu'on appelle parfois les accents, et également le swing avec lequel la mélodie est jouée. Parce que ça peut faire toute la différence. Si on prend une petite phrase et qu'on la joue comme ça, bon, ce sont les bonnes notes, mais ça sonne assez plat. Charlie Parker, lui, il joue plutôt ça en accentuant certaines notes. Au lieu de jouer tout à la même hauteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer des petites impulsions et accentuer certaines notes. Vous voyez l'idée? Et je vais le vous faire sur le piano en accentuant, en exagérant plus que nécessaire. Et c'est beaucoup plus intéressant à écouter parce que c'est comme si je vous parlais comme ça sans aucun ton dans ma voix avec une voix totalement monocorde. Non, à la place j'insiste sur des mots, sur des syllabes, je mets des accents, des intonations, des variations dans ma voix pour que ça reste intéressant à écouter. Et bien en musique c'est la même chose. Donc prenez l'habitude d'écouter les intentions de jeu d'un musicien, d'écouter les nuances et pourquoi pas de créer vos propres intentions de jeu par la suite. Bon sinon je pensais avoir la structure du morceau mais je viens de vérifier et je me suis un peu planté. Donc retour à la partie 1, la structure du morceau. Du coup je vais consolider la mélodie, retravailler l'accompagnement et travailler les voicings, donc c'est-à-dire les différentes positions d'accords que je pourrais utiliser. Et petit à petit mettre les deux ensemble et ça devrait commencer à ressembler à quelque chose. Allez, c'est parti. Alors, important aussi à noter, c'est que je ne travaille pas à chaque fois la mélodie depuis le début. Ça commence à aller bien. Par contre, il y a certains passages plus compliqués que j'ai encore du mal à maîtriser, donc je vais focaliser mon attention là-dessus. Et je vais pas tout à chaque fois repartir du début du morceau, parce que c'est une perte de temps, et je vais plutôt focaliser sur ce que je ne maîtrise pas encore bien. Typiquement, ce passage-là, avec ce doigté un peu bizarre, là. Là, ce passage, il est assez difficile, il faut vraiment que je mette mon attention là-dessus et le jouer à haute vitesse, ça reste compliqué. Donc, on va continuer. À noter d'ailleurs que je m'entraîne en variant énormément les vitesses et je passe beaucoup de temps à travailler lentement en fait. Parce que c'est lentement qu'on décompose le plus le mouvement qu'on va faire. Et qu'on fait comprendre à nos doigts la manière de bouger, c'est primordial pour jouer vite, il faut savoir s'entraîner lentement. Oh, mais c'est pas possible! Là, je sens que je patoche, ça commence à devenir difficile d'aller beaucoup plus vite en termes de technique sur ce morceau. Mais bon, maintenant, c'est que de la technique et de l'exécution et de l'entraînement. En travaillant, en décomposant tout bien à faible vitesse et en augmentant petit à petit le tempo, eh bien, c'est juste une question de temps, je pense. Donc là, c'est le moment dans les films, vous savez, où le héros est en phase de doute, mais il se remotive et il part s'entraîner pendant plusieurs jours sur une musique épique avec des images motivantes. Donc là, c'est le moment, Hugo du montage, pour nous faire un montage épique. Ok, c'est parti.
Bon, ça fait plaisir, c'était vraiment pas évident. Il y a encore 2-3 choses sur lesquelles je vais travailler pour rendre le morceau encore plus fluide. Vous avez pu voir un condensé en quelques minutes, mais il faut savoir que j'ai galéré pendant plusieurs heures sur certains passages assez techniques. La mélodie est très sophistiquée et qui plus est, elle a été pensée pour le saxophone. Donc au piano, ça se retranscrit pas toujours hyper bien et au niveau doigté, il y a des choses un petit peu bizarres. Techniquement, c'était donc complexe et je sens que ça m'a fait progresser justement au niveau de la technique. Alors, ai-je réussi à tout déchiffrer d'oreille ? Non, malheureusement. La mélodie, oui, entièrement, mais l'accompagnement, j'ai eu plus de mal, donc j'ai dû regarder les changements d'accords. Maintenant, venons-en à ce que vous pouvez en retirer dans votre pratique personnelle. Alors, 95% des morceaux que vous allez rencontrer sont plus faciles que celui-ci. Là, c'était pour le challenge de relever un morceau assez complexe, mais si vous relevez un morceau de pop, ce sera normalement beaucoup plus simple. Vous pouvez vous inspirer de mon approche pour relever la mélodie d'oreille, c'est vraiment le mieux pour devenir un pianiste autonome, et pour les accords, vous entraîner à reconnaître les accords majeurs, les accords mineurs, diminués, etc. Tout ça, c'est également un gros plus, même si en pop, vous trouverez assez facilement les grilles d'accords sur internet, vous entraîner à les retrouver d'oreille et à vérifier par la suite, c'est toujours un bon exercice. Si vous voulez une démarche similaire pour les morceaux de pop, vous pouvez rejoindre ma formation gratuite Devenir un pianiste autonome, dans laquelle je vous explique justement comment déchiffrer un morceau de manière autonome, même si vous n'avez jamais fait ça, que vous jouez avec les notes qui défilent ou les partitions, mais que vous souhaitez passer un cap dans votre pratique, apprendre plus efficacement, devenir plus autonome, plus polyvalent dans votre jeu. Je vous explique tout ça dans la formation, je vous invite à cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, c'est 100% gratuit. Puis si vous êtes resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo, merci à vous, vous êtes les vrais de vrais, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !